Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne des Sentiments Scrap et oui, je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Bonjour à toutes et je souhaite la bienvenue à mes anciennes, hein, donc je leur souhaite de bonne santé à toutes. J'ai décidé de vous présenter un mini haul sans tracord, une série d'ATC. Alors, je vous présente la plaque carrée pour pelle à repasser, donc je l'ai payée à peu près dans les 2 euros et quelques. Hein. J'avais envie de vous montrer comment on fait une boîte à crayons avec, donc dans les prochains tutos. Donc j'ai pris aussi du papier aquarelle, j'avais envie de tester. C'était du 300 grammes sans acide, donc c'est pour toutes les techniques à l'eau. Donc on va essayer. Donc si ça se mélange bien, on pourra faire des jolis fonds avec de l'aquarelle à l'eau. J'ai pris du vernicol, donc elle est très bien parce que je l'ai testée sur un papier un peu genre de papier riz en transparence. C'est vraiment très très bien, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, donc j'ai pris juste un petit peu de pinceau. J'ai mis très très peu de colle et ça a super collé. Je l'ai fait en mettant deux fois la colle dessus, puis c'était super bien, ça a bien collé, il n'y a pas de problème. Donc vraiment je vous la conseille, elle est à 4 euros et quelques. Vraiment vous en mettez très peu, c'est super bien, donc vraiment d'économie. J'ai pris une boîte à métal aquarelle de la marque Essentiel, hein. Donc voilà, j'avais envie d'essayer aussi ces couleurs, on va comparer avec celle d'Action. J'ai pris de la colle pour papier, pour tout ce qui est cartonnage. Donc j'avais envie d'essayer, donc on en a déjà parlé, on m'a dit que c'était pas trop mal, mais bon, on verra bien. Bon, je pense que si ça marche bien avec au niveau de la colle, c'est très bien. Et je vous ai fait une série d'ATC avec de la Distress Oxide, hein. Donc j'ai utilisé du vert et j'ai collé une petite image autocollante sur les animaux, j'aime bien les animaux, et avec des petites fleurs. Donc voilà, voilà ma série d'ATC, j'en ai fait 5. Et j'ai utilisé une étiqueteuse de la marque Dimo pour pouvoir écrire les noms. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire. Et à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous, bisous, bisous.